Phil Mickelson est un golfeur professionnel américain qui dispose d'une valeur nette de 300 millions de dollars. Phil Mickelson est un golfeur incroyablement talentueux et appartient à la petite minorité de joueurs de l'histoire du golf à avoir remporté 3 des 4 tournois majeurs. Au cours de sa carrière jusqu'à présent, les revenus de carrière de Phil Mickelson dépassent les 800 millions de dollars. Certaines années, il a gagné entre 80 et 100 millions de dollars. Ces dernières années, il a gagné entre 40 et 50 millions de dollars, dont la grande majorité provient de financement. Au moment d'écrire ces lignes, il a gagné plus de 100 millions de dollars rien qu'en argent de tournoi. C'est juste derrière Tiger Woods. Philip Alfred Mickelson est né à San Diego, en Californie, le 16 juin 1970. Son père, Philip Mickelson, était pilote de ligne et ancien aviateur naval. Mickelson a grandi à San Diego et à Scottsdale, en Arizona. Il a appris le golf auprès de son père, à l'image de son style. C'est pourquoi il a un swing à gauche, bien qu'il soit droitier dans la vie de tous les jours. Il est diplômé du lycée de l'université de San Diego en 1988. Mickelson a fréquenté l'Arizona State University grâce à une bourse complète de golf et a immédiatement réussi à concourir au niveau collégial. En fait, il a remporté 3 championnats individuels de la NCAA et 3 prix Askins en 1990, 1991 et 1992 pour avoir été sélectionné golfeur universitaire exceptionnel de l'année. Au total au cours de sa carrière universitaire, Mickelson a remporté 16 tournois et il a été le deuxième golfeur universitaire à remporter les honneurs de la première équipe All-American 4 années de suite. Il a obtenu son diplôme universitaire en juin 1992. Mickelson a connu beaucoup de succès sur et en dehors du terrain de golf. Il a remporté son premier événement du circuit PGA, le Northern Telecom Open, en 1991, alors qu'il était encore amateur. Il a réussi à contourner le processus de qualification du circuit de la PGA grâce à sa victoire à Tucson en 1991 et est rapidement devenu professionnel après avoir obtenu son diplôme universitaire. De 1999 à 2003, il a terminé 17 parmi les 10 premiers et 6 deuxième ou troisième places, bien qu'il n'ait remporté aucun des tournois majeurs. Sa première victoire en championnat majeur a eu lieu en 2004, lors de sa 13e année sur le circuit de la PGA. En 2016, Mickelson a subi 2 opérations chirurgicales pour une hernie sportive, mais s'est rétabli d'une manière étonnamment rapide et est revenu triomphalement avec une finition T21 au Career Builder Challenge. En 2019, il a remporté l'Athen Pebble Beach Pro-Am, qui était son 44e titre en carrière sur le PGA Tour. Cela fait également de lui le vainqueur le plus âgé de cet événement, à 48 ans. En décembre 2019, il a annoncé qu'il manquerait le Waste Management Phoenix Open pour la première fois depuis 1989, en faveur de participer au tournoi de golf international saoudien. Lors de l'événement saoudien, organisé en février 2020, il s'est classé 3e à égalité. Au Master 2023, Mickelson a peut-être réalisé la performance du tournoi en commençant la dernière journée à 10 coups du leader mais en terminant à égalité à la 2e place. Avec un score de 65, Phil a égalé son score le plus bas d'Augusta près de 27 ans auparavant. Il a remporté de nombreux événements de la PGA tout au long de sa carrière, plus de 40, dont 4 championnats majeurs, le Master 2004, le championnat PGA 2005, le Master 2006 et le Master 2010. Aujourd'hui, il est l'un des golfeurs professionnels les meilleurs et les plus populaires au monde. Mickelson a épousé sa femme Amy en 1996. Ils ont 3 enfants ensemble, Amanda Breen, juin 1999, Evan Samuel, né en mars 2003, et Sophia Isabelle, octobre 2001. En 1999, Phil et Amy ont payé 1,65 million de dollars pour une maison à La Jolla, en Californie. Ils ont vendu cette maison en 2012 pour 2,745 millions de dollars. Pendant de nombreuses années, Phil et sa famille ont élu domicile à Rancho Santa Fe, en Californie. En 2001, ils ont payé environ 6 millions de dollars pour une propriété de 4,55 acres. Ils l'ont mis en vente en 2008 pour la somme considérable de 12,2 millions de dollars. Ils ont finalement accepté 5,725 millions de dollars en janvier 2015. En janvier 2020, Phil a acheté un terrain non bâti à Jupiter, en Floride, pour un montant non divulgué. Ses voisins proches comprendront Tiger Woods et Michael Jordan.